Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo Lipanda. Asalili bango Congo Lipanda. Kaninga pona kuyeba histoire ya Congo. Landa Congo Lipanda. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. Aujourd'hui, nous avons le privilège de Yaroyamba Mosali Nzambe Nayeto Kolobela Maimatali Adoration. Qui peut adorer? C'est quoi l'adoration? Et puis d'autres questions concernant aussi la spiritualité Nakatiambo Kanabiso. Pendant 35 minutes, notre invité a Kozala Lelo face à micro et à émission le bel abisso à tout nabisso ba question tout une ba question pardon aya no labisso par rapport à vision na yenga na ebie mais na rotique la bino temps à se présenter par rapport à émission à Lelo. L'homme de Dieu, shalom. Shalom bien-aimé, shalom à tous ceux qui nous suivent maintenant. Tout le plaisir est pour nous à Royamba yo émission à Lelo. Muto akutani na yo akitini d'abord nini par rapport à présentation. Votre serviteur David Kabeya. Toza pasteur, toza professeur ya musique, toza parmi balanga nzembo. Nzamba pesi biso ngolo ya kokamba lingomba o babengi communauté chrétienne plus que vainqueur. Et c'est toza sala musala na Carrefour des jeunes na quartier Matongé. Peli susu nzamba sungi biso toyeba na ko zala parmi ba basali ya nzambe na kati na ministère studio sango malamu radio télévision oboyebi. Kuna toza responsable et habitude directeur et académie de musique Sango Malamu. Toza s'occuper na ba manifestation évangélique à studio Sango Malamu et tout ce qui a trait aux relations publiques. Eza mukumba ba papa ba kondi ba pesi biso. Pe nous sommes là en train d'animer certaines émissions pour édifier le corps du Christ. Et en plus, nous chantons, il y a un album. Et aussi, nous sommes des écrivains. To komi beaucoup pour nous nzambe to continuer à adorer Malamu. Normal. L'homme de Dieu David, rencontre dans la Seigneur et Salamine Denani. Merci beaucoup. Nabota mina libota oyo et zali ya baklisto tokoli na katina koloba pena ambiance te tokoli na katina mo pepe wana atmosphère wana ya papa sambelaka, mama sambelaka, baya pe ba sambelaka, to landi rythme wana na kuta na nzambe to zalaki d'abord na homonerie protestante ya matete. Et puis, tant que ton papa a eu pension, tu es comme un binza d'Elvo, et si tu écoutes dans la colonne église, Sebeko Djelo Binza, en 1980, dans quelles circonstances, et ça a été mon colonne, ça journée de louange, soirée musicale, c'était à l'époque, soirée musicale na Sebeko Djelo Binza en 1980, et le monde a eu un peu à l'époque, tu es dans la soirée musicale, na pourquoi, tu es dans la soirée musicale. Et puis mon théâtre qui feu pasteur Kansiangani et ma théâtre qui était ata uyembi ato sepelaka ato ya kananda ko nzambe ezali garantir okota na lola te il faut bongo la motema. Alors on a 1980 wana na soirée musicale on a na zo ki décision ya ko pesa bomo enanga pa ina kolo to lo bakaka na age ya 12 ans 13 ans déjà na zo ki décision na zui décision to landi malongi to bongoli motema baboti bandimi bongo na 81 na banduko sala nzambe na kati na chorale toujours à la Sebeko jusqu'en 1999 oyo na pambola makilo ko la pasteur koyeba ko kambali ngomba pe ko sala nzambe kokutana ngana nkolo ezalagi na kati ya musique matea etuti ngai yango wana tozoko ba ko sala ye na ngolo apesi biso pona lokumu na ye. Est-ce que c'est facile lorsqu'on jeune à se servir nzambe? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Il y a quoi ça, il y a l'anzambe. Pambate, eza petete, pour être nakati na bolenge, tokuta na kana makambo ya ndenge na ndenge. C'est pendant le temps de la jeunesse que diable aya kana makambo eye, pour mutoa ye banzambe te, pour mutoa mi pesa na nzambe te, pour mutoa sepelisa mingi nzoto, bongo makambo nzambe tokuta la prêt. Kasi, to ndima kinkolo na ajwana. Tout tambola kinaye
bayaya basunga ki biso nzinga nzinga ko encadre biso le lenge kani ko tambula na bonzambe pe na tango wana ezalaki bandele na mwalo yenge mais après un temps na koloba 1980 na bongole motema à l'âge ya 13 ans 1984 le kwana zeki déjà na kati na chorale basalinga surprise le kwana zeki ko imeka ko yemba bien ba tata ba ya mulimo balobi okokoma dirigeant chorale. Oh, ça m'a surpris. Donc na koloba vie nange koma ki très sérieux, très sérieuse na vie chrétienne na 1984 na mois de mai tango ba tata feu pasteur Mwanzangudia directeur technique ya chorale évangéliste Mundele Gonda révérend pasteur Timothée Nzong bazana bomoi pasteur évangéliste Kumbazi balobi oko diriger pour bana koyo ko diriger tango ba bandi ko tele misanga na ban liboso ba tona dirijaka nde sérieux bandi ko kota to sokota na mozino na nzambe to kutana na mipepenyo so jeunesse to kutana lo yenge ya jeunesse to kutana ba tentation jeunesse mais par la grâce de Dieu to yika kimpiko kino to bimi na sebeko tête haute to tiki sangwa kitoko bisika to uta. Très bien. Nous sommes dans le plus 243 89 00 6049 aux hôtels abyssosan à Londres, na Belgique, na Paris, na Suisse, na Australie, na États-Unis d'Amérique, na Inde, tozan na République démocratique du Congo, bel et bien ville province à Kinshasa et pas bitozo tournée émission à Lelo Tuambi Mosal Nzambe. Lui c'est le pasteur David Kabea. Ensemble avec lui nous discutons sur l'importance de l'adoration na katia musique na biso Lelo. Donc le l'importance c'est adoration. Qui peut adorer? C'est quoi l'adoration? Est-ce que tout le monde a Lelo adoration? Tout à qui on balance au thème l'homme dédié. Bien aimé. Ouais. Toyer Lelo l'importance de l'adoration. C'est quoi l'adoration? Merci beaucoup na motuna wana. Moi ba confusion conti mingi. Toyer ko comprendre par après pour ils sont tous na katia na loyenge. Adoration pour nous, c'est le Yemba Nzembo. Adoration pour nous, c'est le Lala Nase, Sambela. Adoration pour nous, c'est le Nzembo, Mouro ya Malembe ya Nzambe. Il y a un nom d'adoration. Mais tu peux comprendre que l'adoration, c'est la musique. L'adoration n'est pas la musique. L'adoration, c'est d'abord une vie entière donnée à Jésus-Christ et une marche avec le Seigneur jusqu'à ce que tu iras au ciel. Donc, adoration, c'est d'abord style de vie. Toza to komi batoyo baza régénéré dans le Saint-Esprit. Baza renouvelé en esprit, ba komi nouvelle créature. Bato banso oyo ba bongola motema. Bandima Yesu lokola mokonzi pe mobiki se baza adorateur. Tozale ko kanisa ki adorateur eza motoyo yenda yembaka. Et d'ailleurs na ba culte na biso zalaka, soki ba sali prélude, ceux qui basali ben vocation, ceux qui modérateur kambi ba prière à l'heure moko yo ka modérateur a lobi bon, si ko yo to pesi ba adorateur ba yemba. C'est une erreur d'expression. Adoration c'est d'abord une vie basée sur Christ, une vie donnée à Christ, une vie entièrement à Christ. Bon moi yo pa ina Christo, c'est la vie d'adoration. Jean chapitre 4 verset 23 24. Yé soyez bisi moi si mo samalia, bo sambe la kanzambo bo yebite. Nzamba kondima losambo na mutoza na Jérusalem kakate na mutoza na montagne ya Samarite me tangwe koki ete nzamba zo luka bakumba meli ya solo bakukumba meli na solo pe na molimo po ya zali molimo. Donc vous comprenez l'adoration c'est d'abord le domaine de l'esprit yami balé adoration zali nini adoration zali ko tombola kombo na nzambe ko netola yo ko kumba meli ye na lolenge ya zali. On ne peut jamais adorer sans le nom de Jésus. On ne peut jamais adorer sans le nom de Jésus. La vraie, attention, attention, il y a plusieurs sortes d'adoration. Il y a la vraie adoration et il y a aussi l'adoration hérétique, la fausse adoration. Qui signifie? La fausse adoration, c'est l'idolâtrie. La vraie adoration, c'est l'adoration spirituelle du Christ. Vraie adoration, l'ingoloba, un, nazamwa nzambe. Na bongola motema, makambo kalese lingwa, na komi na makambo sika. Na komi kela mu ya sika. Bazomo na Christ, na misote, bazomo na finanga. Koloba nange changé, kotambola nange changé, misa nange changé, na komi disciple du Christ. Vraie adoration. Soko soki nazo yemba, automatiquement nzembo nange komi parfum de bonne odeur. Pona katia motema Yesu mutavandi. C'est ça la vraie adoration. La vraie adoration, c'est dans ma vie de tous les jours. Navanda kana batundenge nini? Parce que Christ alobaki na Matthieu 5 13, 11 à 13, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et sika bino bozali munda fwepela, po bozayanga. Et ce que bino bozali pourriture fo longwa, pourriture ko longwa parce que bozali mongwa. Donc au moni dimension adoration. Ce que adoration pe akota kana kati ya musique.
Adoration quand on a la musique pour aussi au bon guani. Ça c'est la vraie adoration. Na baxi souli comme vraie adoration. Jean chapitre 15 versets 1 à 7. Christ a lobi nga na zanzete. Bino boza bitap. Je suis le cep, vous vous êtes les sarments. Tout sarment qui est attaché à moi portera des fruits et mon Père sera glorifié. Mais oya kobo tambumate bako kataye. Donc la vraie adoration, c'est être attaché à Jésus-Christ. Marcher selon Jésus-Christ, vivre selon Jésus-Christ, travailler selon Jésus-Christ. Quand on te suit, on sent vraiment que tu es inspiré. Merci. Et nous qui vous suivons, nous sommes à l'aise. Nous sentons que c'est notre frère. N'a question, n'a pas intervention, n'a pas interpellation. On sent vraiment que l'Esprit de Dieu est avec vous. Donc même dans le travail, il y a la partie d'adoration. Mais autobengi fausse adoration, c'est idolâtrie. C'est ça la fausse adoration. Parce qu'il y a l'adoration des femmes, il y a l'adoration de l'argent, il y a l'adoration des vêtements, il y a l'adoration de ce que nous construisons. Mais la vraie adoration, il faut qu'elle ne soit pas le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Oui, après ça, bon, c'est qu'à quoi faisali. Yé kakanda bon une adoration. Bah, sous ce toko, féliciter bango. Mais l'adoration, yanzambe kak. Très bien. L'homme de Dieu, source pire, oh, un vrai adorateur, à koko, yé mandembo y adoration, à kozwango lo lengeni, ni pe à kozwango wapi. Merci beaucoup. Nzembo adoration, isa yako lukate. Via yé moko mo nanzambe. Et ça déjà nzembo. Vina yako bimisa banzembo ebele. La vraie source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que l'Église est née. C'est par le Saint-Esprit, Romain 8 alobi, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le corps de Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc la source d'inspiration, c'est l'Esprit nzambe o aza katina yo. Via yo moko, ndengo bundaka, ndengo longaka. Ba problème est dans la famille. Ndenge nzamba otambusa yo bisiko zo vivre ba témoignage soko sangisi yango robimisa 15 chansons robimisa 20 cantiques parce que ta vie c'est la vie dans le Seigneur. Donc source d'inspiration c'est le Saint-Esprit, il travaille où? Dans nos vies de tous les jours. Deuxièmement, deuxième source bonne d'inspiration, la parole de Dieu. Kokeno musikate tala lo bana nzambe banda la Genèse tin Apocalypse tokoyemba ba thème ebelé, mais le thème le plus élevé et ça thème, il y a Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Et le thème le plus important, c'est croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu est merveilleux. Donc, source d'inspiration, c'est Dieu. Donc, le Saint-Esprit, source d'inspiration, la parole de Dieu. Je peux aller encore plus loin. Source d'inspiration. Et ce que Robin Damaye, le Koyeba, notre vie de tous les jours était Abissoma Kambebele. Ce que tu as eu vie de tous les jours. Tozuli lo bana nzambe tozimuli mo santo akoti na kati obona ba nzembo ko bima muto ayoki azaki na difficulté espoir ezongi. Très bien, mais par rapport ya ba chanson to bando yo kakala ya ba frère Mente ya ba papa na biso Denis Ngonde Matou Samuel Tomba bandaki etikala ba nzembo moko boye inoubliable ti lelo atazo belo ressentir ba chair de poule. Voilà. Mais ya lelo zo mona inane 6 mois chanson ou adoration et silingala. Tolo banini, source d'inspiration. Et zali soussouté, tope ba adorateur ya solo bazali soussouté. Voilà. Problème est en a deux angles. Problème est en a angle mi balé. Angle liboso. Nzembo, banzembo e bima e belé. Ya koko mi sanzambe. Banda ba koko nabiso akala kala. Nazokaka na époque chrétienne. Banzembo e bima e belé. Même lorsque renouveau spirituel est rokota na église avec le docteur Martin Luther. Oui, mais maka, le protestantisme, la vraie foi, à partir na bango ban nzembo ya ko bima ebele, loko la nzembo ya eza na anglais, mais tu mba ngobe na ba langue ebele, oh the friend we have in Jesus. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, tilelo. Nzembo eza composé na 18e siècle. Tilelo e mba maka. Par exemple, nzembo eza composé na langue suédoise, mais et il y a anglais puis comme na mino kona biso na yembi ngona l'album na uté ko sala ndenge olobaki. Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, ezaga na suédois ous tout est good na suédois ba américain ba yoki ango ba traduire en anglais. Oh Lord my God,
When I in someone consider all the world that your hands have made. Zambi na tango nazo tala kati nanga nazo considérer ma communauté so minene o loboko no sali. Refrain zo loba de tout mon être alors c'est l'invention. Biso to lobina lingala Nzambe na kimbu Nzambe na nguya tilelo ezakaka. Donc vous comprenez parce que c'est la profondeur de l'inspiration. Ce que mon Nzambe bimi et si li bayemba ali susuté, ils en a trois problèmes. Ils en a problème d'inspiration, ils en a problème de mobilisation, ils en a problème culturel. Problème d'inspiration, bon, peut-être bima ki kaka na moment wana au Saint-Esprit na musala ko sala na Nzambe na mitema quelque batu. Oko composer Nzambe lelo. Ko kanza te Nzambe no beta makana mokilimbe mba. No, Nzamba yebi eloko lingala na Nzambe na yo. Tang musu Nzambe ko suka kaka na carré na bino église. Ko lelate. Osali musala na yo. Tang musu Nzambe na yo kota na beglise mususu. Ko tungisa mate, tu fais ton travail. Tang musu Nzambe na yo et ko suka kaka na mboka, il y a pas de problème. Mais l'essentiel tu as chanté. Donc problème d'inspiration et bima ki pona nini? Pour édification locale, édification territoriale, cela dépend. Première raison. Deuxième raison, mobilisation. Banzembo ki tokope bima ebele, mais ba tchelango penza makele le mingite. Ba betango penza sete mingite, ba sayelango pena promotion makasite, problème managérial, et sali ke yemba mi mwa mouke ya ki tokome, et souke longa gawana. Troisième problème, problème de culture. Et koza la nzembango yemba mi, mais moto ayembiango yemoko apesi importance mingité na ba point culturel ya société na ye na mboka na biso to sana quatre grandes cultures linguistiques nzembo yemami kitoko mais le frère s'est limité seulement na culture na ye mais soka kotipe na ba culture mususu nzembo okene musika mais il y a encore une chose ezana ba nzembo mususu ebimi po muninga yemba kitikanga pena yemba a copier kaka mo forme wana a tiango maloba abimisi. Et quand on a un peu en pleurs, mais un moment ça disparaît. C'est pour dire que tant qu'on a composé, a yoka qui nous a mis mal à monter, mais a yoka qui nous a mis comme sous. Je peux être inspiré par l'autre, mais quand je travaille, le Saint-Esprit me donne ce que je dois faire. Au moment où on a raison, c'est ça là que. Le Saint-Esprit nous aide en quoi? L'Esprit de Dieu nous aide dans l'inspiration. Ce que j'ai tant que cela dans Zambe, ce que j'ai tant que la Bible, ce que j'ai tant que kota muzino ne loko zo sala. Saint-Esprit qui glisse quand il y a ce qu'il faut faire. Ce que tu dois éviter en fonction de Nzamba Bengela yo. Tu ne vas jamais chanter comme le frère Maître. Tu ne vas pas chanter comme le frère Patrice Ngoyi Musoko, le pasteur Patrice. Maître aussi a ça comme pasteur. Tu ne vas pas chanter complètement comme le frère Ale Moloto. Mais le fait d'avoir travaillé avec Ale Moloto, Charles Mombaya, tu peux t'inspirer de faire quelque chose d'autre et pas Moliba Nzamba. Donc, problème est que tu zonga et pas ina oyo, azali liziba, ya loyembo et pas Mbolaraba Nzamba. Avec un œil spirituel, lorsque vous regardez aujourd'hui nos chanteurs chrétiens, soi-disant de musiciens chrétiens, est-ce que la musique chrétienne évolue dans Katia Mboka Nabiso? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Tout le monde a une conférence épelée autour de ça sur la musique chrétienne par rapport surtout à livre autocomi. Zamba Sungi Biso, Biso Peba Forma Gibiso. Nazo tangi sa musique depuis 1992. Nabandi koye koli sa musique do. Ré, mi, fa, si bémol, sol, dièse, depuis 92. Parce que j'ai été aussi formé par les papas de Lomingu, par les Pierre Ngoma et tant d'autres moyens de faire ce zate. Alors, bandanga bena bani kotang sa musique. Ti lelo, on a commis directeur d'études à l'Académie de musique, ya Sangomalamu. J'ai compris avec les autres frères que notre musique chrétienne est tellement moi moqué. A Kimakambangu à l'époque du réveil des chorales. Oh, Nathan Gaba réveille la chorale, c'était terrible. La chorale vocale homme. La chorale mille fois des protestants. La chorale Nzenze de l'église catholique. La chorale Lisanga. Non, à l'époque des chorales, c'était grave. Entre les années 70 et 90, 1970 et 1990, les chorales, mais c'était grave. Et ça, on a tant qu'il y a des chorales, des belles, des salles, des salles, des salles, des salles, des salles, mais avant, pasteur a été abattu, il y a des salles, des salles, des salles. À un moment donné, les choristes ont négligé la puissance de la musique chrétienne dans la chorale. Moi, je suis un moi, j'ai un problème, et je suis un impact. Soif d'argent. Bon, tu as un problème, on va en parler peut-être prochainement.
nzamba yeko tombola ba griyo atomboli ba frère Mente atomboli ba frère Deningonde l'évangéliste Deningonde atomboli okuna couple Buloba. Je connais bien l'histoire de la musique chrétienne, c'est pourquoi j'en parle facilement. Atomboli couple Buloba atomboli bandeko okuna oh musique bandeko pambola nzambe aspect mso ekoti na katia entre 91 kino tokoma na 2000 oh c'était la vague frère Tel groupe orchestre Vox Day. Oh, frère Tambotich et frère Charles Mumbaya, c'était bien. Osumu na banze mona bango concurrence pende za la quitter, tout n'était pas parfait. Mais elendi sibiso, runo mvumbi abimi ya komile long runo moyo. Alléluia, tokumisa Yesu Masia tu emba bisono sur la kati. Ainsi de suite. Gloire au Seigneur, le couple les messagers du Christ. Oh frère Charles Mumbaya tigala, ba frère Matondo Jar. Mais après un certain temps, Zambalobi c'est bien. Et sans oublier, entre les années 80, Kino, l'an 2000, 2010, il y a aussi le groupe qui a beaucoup travaillé, le groupe Sango Malam. Le trio Sango Malam avec le pasteur Jim Sawaski. Topé Siembot ici, il nous suit là où il se trouve. Il est déjà à Koli, déjà au Salam Salap, et c'est comme ça. Groupe Sango Malam, il est beau, Rino, il est beau, Edo Bumba, Edo, Bele Bele, il est beau, donc vous comprenez le travail qui a été fait. Nzamba yeko sunga na kati ya lipamboli wana abimisi vague ya adoration. Batoba yemba kaka ye nzamba za nani asalaka nini. Yeko kota avec le frère Alain Moloto et tant d'autres. Gloire au Seigneur. Mais l'éloyo musique chrétienne est telle aimée. Parce que musique chrétienne est telle aimée parce que un, premier problème. Spiritualité na biso na musala musique chrétienne et qui t'imoke. C'est vrai, il y a des frères par-ci par-là que Dieu est en train d'élever, gloire au Seigneur. Le travail que Dieu fait avec cœur la grâce, il y a notre bien-aimé DT, ton message na DT, ton utibis nous son école moko a missionné à Ikoya musique, le frère Kwanzambi Ambroise. Oh, très bien. Cœur la grâce n'est pas très connu au pays. Mais tant que tu bimara libanda, mais je vous dis, cœur la grâce, c'est vraiment choral. Nous bénissons le Seigneur, mais ce n'est pas tout. Le problème, il y a Liboso, c'est la source qui fait la force de la musique chrétienne. Il faut que tu aies la source. Tu comme que tu as dit 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 que c'est un grand travail, c'est un grand ministère. Premier problème spirituel. Deuxième problème, c'est le problème management, organisation. Groupe est salémi, chorale est salémi, bah produire œuvre, mais moutou ya kosala, moutou ya kosala suivi, moutou ya kos soutenir œuvre on a pour message on est comme abisika nyoso. Il y a un problème, l'éloyo entre les producteurs connus et bah langanze mon abiso bandeko babima liboso, il y a eu toujours des étincelles. Et ça dit que alors bah producteur bah le bino kola bano baso comprendre bisoté. Artiste peut parler au producteur ba olé la biso guerre on a te bien les gars même na betando yeke ils se sont séparés problème monene comme on a ba comme trop hésitant. Le troisième problème c'est le problème de crise sociale, crise économique où il continue à bisika biso et ça là que artistes chrétiens musiciens artiste chrétien musicien soka salinzembo a dépensé ebélé a yembi banzembo yoko pambola bana nzambe a bimisi quelques palaki il produit quelques CD il met à la disposition au marché à la disposition de tout le monde on ne fait que pirater piraterie donc crise économique sociale piraterie et koti makasi. Alors les jeunes ont des sérieux problèmes, qui va résoudre ces problèmes? L'église doit revenir à la croix de Jésus. On doit se retrouver tous autour de la table. Parce que la musique chrétienne est allée moutoumorote. Est allée artiste chantre. Est allée pasteur. Est allée église. Est allée producteur. Est allée kambiamboka. Très bien. Si on se retrouve, la solution peut être trouvée. Mais aujourd'hui, j'ai suivi beaucoup de pasteurs aujourd'hui à la télé qui. Oh, il y a des gens qui ont été en train de se faire des concerts, qui ont été cachés et élevés, que vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Que direz-vous par rapport à ça? Voilà, je veux. Ce n'est pas compliqué. Oui. Ce n'est pas du tout compliqué parce que, biso dans le monde francophone, nous avons un évangile dans la culture francophone.
nous n'avons pas toutes les données d'un leadership fort dans l'évangélisation. C'est ça le problème. Nous n'avons pas toutes les données. Mais quand tu évolues dans le monde anglophone, les anglophones sont un peu plus avancés dans le leadership et le management évangélique. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, soyez fermes, la fermeté dans la foi et dans l'œuvre. Et inébranlables, n'ayez pas l'habitude de tomber, restez forts. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur pour que celle-ci aille de l'avant, tout en sachant que Dieu n'oubliera pas votre travail, ou bien votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est très simple. Travailler avec l'excellence, c'est quoi? Quand votre frère, quand un homme de Dieu fait un travail, il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on le soutienne, parce que s'il réussit, c'est la réussite de tout le monde, et chacun reçoit une part de bénédiction de la part du Seigneur. Mais dans le monde francophone, ce n'est pas ça. Dans le monde francophone, pour soutenir pendant œuvre en Zambie, n'engage à dans le monde anglophone et non tout mécène de la culture ou anaté. Pour te coller dans le système politique, il y a tata yenza les sili. Donc faut pas penser à ça. Nga na ko semete, nga na ko investir te me faut pas penser à ça. Il y a monde même na fille à mboka na biso, na monde des affaires. Ba congolais basa na culture des affaires te. Pour bah mécène à ça, tanda lobo libanda penser à. Alors que muta libanda comprenne que non pona zala makasi fona lona. Vous comprenez? Donc c'est ça un problème culturel. Alors par là je voulais dire ceci. L'ikamaba caché. C'est-à-dire quoi? C'est vrai. Et j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit quelque part. Que oh non, ils exagèrent avec les cachets. C'est pourquoi dans nos activités, on ne les invite même pas. Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais je dis ceci. La force d'un chanteur adorateur, ce n'est pas le cachet qu'il place lorsqu'on a besoin de lui. La force d'un chanteur adorateur, ce n'est pas la facture du travail qu'il doit placer avant d'aller prester. Mais la force d'un chanteur adorateur, c'est sa capacité de communiquer Christ dans le cœur de ceux qui le reçoivent. C'est la capacité de parler de Christ et de présenter ses œuvres dans le cœur de ceux qui reçoivent le message. Ce qu'on commune à niveau, et ami balé, il y a un problème, il y a organisation et l'eau au sala. Le fait qu'il y a qu'organiser groupe et ça m'a bêté. Le la groupe ango nzamba tiango loboko ezui en pleurs et singeli etambola d'une contrée à une autre. L'évangile qui est chanté, il est chanté gratuitement. Maintenant, pour organiser les activités à partir desquelles il faut évangile et yembama, il faut te songana. Donc likambo caché na lingrapena terme ya cacheté na za na musique chrétienne depuis 1980 na formé ba tebele ya ko yemba ya ko beta ba guitare na formé ba tebele. Nous sommes fiers avec ça, mais je peux dire que même biso na culture na biso na studio sango malamu, on dit que nos koloba cachés, ce n'est pas bon. Il faut koloba soutien financier. Très bien. Il faut koloba soutien. Donc il faut ce que nazo senga na bande ko na biso. Ko yeba et loko zo senga bato ba fandi na lubuako. Est-ce que baza mesure ya repesa yo to baza na mesure te? Est-ce que otika na kaka esclave na caché to ozala esclave na plan de Dieu pour que nous sommes comme ça la paix musala et pas battre mususu. Donc je demande à nos frères de réfléchir sur ce point là parce que notre développement na musique chrétienne est dépendant na cacheté. Mais ça dépend d'Angola Nzambe de la manière dont nous sommes en train de la gérer. Très bien. Nous avons le privilège ya yamba lelo mosali Nzambe pasteur David na yeto ko sur l'importance de l'adoration na katia musique na biso lelo to komi na au moins 7 minutes pour aussi cette émission parce que l'émission c'est 35 minutes, la télé et puis les réseaux sociaux c'est le temps. L'homme dédié, la puissance de l'adoration. To la nature na digital ozo lobela makambo moko boye difier ki biso makasi. Vraiment. Source d'inspiration d'abord utaki wa payer. Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci beaucoup. Naba formation to pesi na bandeko koyeba ko beta ngamoko na beta ba guitare nyonso na beta ka sainte kuna to yemeka ko yemba moi bien. Alors nzamba tsaki biso fardo ya ko former ba msusu en tout cas ko former mutu koyeba ko yemba e pa nangeza passion makasi et loko ne kote la biso to koli nango na yibi ko yemba na laksi mutu musa bandeko yemba na zene singo na yibi ko beta sainte na laksi mutu musa zo beta na zene singo moi na tengolo ba komba ba tuto former te bazé belé ba travailler na ba sala nzambe mingi et nous sommes contents pour cela et nous continuons, c'est pas fini na mesen nanga mingi na ko former ka batu. C'est comme ça que na niveau sta ngomla mapesa inga charge ya ko kamba academy de musique. C'est comme ça pour pousser na bisoza ka to former kaka mais to yemba ka pe. Alors tant on a so ki fardo ya ko sala album selon l'inspiration du Saint-Esprit au isolé kana na marché. Na 2015, bon, j'ai commencé à compiler ma vieille cantique. Oh, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre dans le secret de nos tendresses.
tokoli na bazembo wana molimo na santa convert kanga na zongi sango po to zonga na bolingo akala. J'ai fait l'album na bazembo belé obo boyebi wana. Pendant que je faisais cet album, l'esprit de Dieu m'a convaincu na koma ba enseignement o yonga na pesa batu na matéa sur l'adoration et la musique chrétienne. Alors, on a kangisa ba syllabus, nous on a koma koma wana, na ba inspiration, ale to bandi ko koma, na bando koma. Donc, j'ai commencé à écrire le livre depuis 2016. Na ekosi lisa on a 2017. Et ekobima na 2018. Donc, j'ai fait presque deux ans, je ne fais qu'écrire le livre. Parce que je ne veux pas écrire le plagiat. Mais je crois que nous avons écrit certaines choses par la grâce de Dieu. Oye, ce qui m'a tant de livres, à comprendre que tout ce tombola de Christ pour biso to pambola ma pe mboke pambola ma. Donc c'est ça un peu la source d'inspiration. Travail y a ba choriste en église ça na valeur monene. Travail y a ba chante adorateur et ça bénédiction pour nos familles, pour nos entreprises et aussi pour le pays. Les chanteurs adorateurs peuvent se retrouver quelque part ba bito zo yemba po nzamba tia kimia na mboka. Ko yemba to belela dans le cantique le Seigneur peut agir. Donc vous comprenez bien aimé et là comme ce tonto bête tu insister. Chante adorateur. Sale la nzambe na motema moko. Tika ba aventure na musala ko yemba. Na katia ko yembe la nzambe na bosolo oko pambolama. L'avenir est assuré quand tu sers Dieu de tout ton cœur. Mais tika ne ba aventure. Tika ne ba division. Tika ko tia ba condition financière avant ba pesiote obimi o kimi église. Et lorsque tu commets une erreur, le pasteur te fait asseoir. Aucune église, aucune église à pasteur. Et la confusion continue. Il faut que tu moussala ko yemba. Et ça moussala ya gloire. Moussala ko yemba. Et ça moussala au Saint-Esprit. Azo ba sa puissance et force. Et si kanyo se te recoute en a barrière. Mais par les cantiques spirituels pleins de grâce, les barrières tombent. Les malades sont guéris. Les abattus sont reconfortés. Nzamba ou sala makamba minene na ko yemba oyo. Yangwane sengeli balanga nzembo. Simba musala mbalamu. Kotala na mbongote. Simba musala mbalamu. Tala mutabenga yo. Po toyemba. Toza pe ba kache. Toza pe ba prime. Mais je vous dis franchement. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Sale lanzambe mbalamu. Tika ba aventure une église. Sois sérieux. Longola orgueil. Longola ba confusion denge to oye la rawana. Eko simba te. Bato ba banda musala ko yemba oyo. O bazana bomo itile lo. Tala ba vina bango. Stabilité. Progrès, parce que la plupart ont travaillé avec humilité, obéissance et excellence. To zongi sa yesu na musala oyo. To travaillé na bo moko. To luka excellence. Yo kanzambi. Tanga Bible. Et serre Dieu de tout cœur. Et zagara mukolo succès ko sila. Succès silaka. Mukolo succès ko sila. Mais les pambole rolanda yo, toi et ta famille. Merci. Papa na biso alem molo to agenda tika biso. Charles Mombayapé. Est-ce que vous avez des bons souvenirs au garda par la langue de Dieu? D'abord, on a bandi na feu Charles Mombaya. Que Dieu bénisse ses enfants. To travaille na ina katia SCC. Nga na zamona na colline na Sebeko depuis 74 jusqu'à ce que l'an 2000 tata batienga maboko pour na sala musala na corps du Christ na colline na Sebeko. Je connais bien l'église la l'institution, la confession religieuse protestante SCC. To travailler na mingi na ba rencontre ya ba grande prière communautaire. Azako diriger biso na chorale ya 1000 voix, chorale ya 3000 voix, chorale ya 5000 voix, le feu Charles Mombaya nous diriger. Et to travailler pe na ye parce que quand j'ai chanté dans le groupe les ambassadeurs du Christ, les combattants du Christ, na pesimbote na frère Marc Nzolani, avec lui on a aussi travaillé avec le frère Charles Mombaya. Il y a kotsa biso mingi surtout la musique negro spirituals. Oui, zalaki mwa ko bunga mukena mboka. Très bien. Nous avons de bons souvenirs. Et aussi, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a chanté les cantiques Sola, Sola, Nzilampoulous. Voilà, comme on a dit, Papa Diawaku, fait Papa Diawaku. Il a fait un grand travail. Frère Tadi Tambwe, des grands compositeurs. Donc, le frère Charles Mambaya était quelqu'un de rigueur. Il aimait la rigueur. Et quand tu te mets à travailler, il aimait à ce que Bissonos soit atteindre objectif. Il y a un peu mal compris dans Batomo Soussoumain. Sa façon de travailler nous a bénis. Tout ce monde, il a fourni beaucoup d'efforts pour bien servir le Seigneur. Et quand je veux parler de notre frère Alain Moloto, je vous informe d'abord que le frère Alain Moloto Azali, étudiant lauréat dans l'Académie de musique Sangomalamu, là où j'étais directeur. Il est allé maîtriser la voix
et la communication. Il a maîtrisé la voix, la communication, l'harmonie. Et frère Alain Moloto. Tant que tu as eu le diplôme, tu as collé Bango à Bimi, à qui tu as lancé. Je sens qu'il faut, pousser les gens à adorer le Seigneur. Alors, tu as eu espace dans la radio Sangomalamo chaque samedi entre 6h et 7h. 6h et 7h, il adorait. Tant d'adoration avec le frère Alain Moloto. Donc, c'est comme ça que le Kwango est bimi karabopé le comme ministère. Donc, vous comprenez la détermination. Vous comprenez la poursuite du but de Dieu dans ce que nous faisons. Vous comprenez aussi, même tant que nous avons pensé au cours à voix dans l'Académie de musique, dans le professeur Dolomingu, il nous impressionnait par ses poèmes. Avant, il écrivait, il parlait. Il était très intelligent. Il nous impressionnait par ses poèmes, surtout sur Azaro comme en français. Par là, je veux dire quoi? La profondeur. Ko yembe la biso biyemba yembate. Ko binisa biso bibina binate. Ko simbisa biso bisimbisa simbisa te. Ko tinda biso tuto yemba bama lobao yezana katia Bible te. Frère, pesa batou nourriture de la vie à travers ton ministère. Et quand vous allez voir Alain Moloto dans son parcours, depuis les deux premiers albums, tant que nous avons radio, nous avons ensemble. Donc je connais bien l'histoire de Gaël. Nous sommes parmi les témoins oculaires qui sont nous sommes encore vivants. Donc la profondeur, il faut tout ce aventure. Ça, la texte, l'axa pasteur. Bandan introduction, tu as la conclusion que la suite de tes idées soit logique et basée sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qui m'a pasteur pour la ligne? Et mais pourquoi il y a des conflits entre les pasteurs et les chantres? Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver autour de la table pour te trouver une solution? C'est difficile, mais c'est possible avec le Seigneur. Donc, tu as bateau, bazaka bango mokote, et ça peine à y belé baseli musala monene, le pasteur Jim Sawaski. Oh, cet homme-là, mouta pesanga goût, il y a autant que sa musique, c'est lui. C'est lui qui m'a donné ce goût-là. À l'époque, il y a autant que ça, il y a koyemba bien, et puis il y a autant que sa musique. Donc, vous comprenez? Donc vous comprenez très bien que et ça moi bande bande kona hein moi bah échantillon kaka et belé pe basali musala nzambe tozo ko ba ko landa bango na sima yemba bien yemba muzindo ko yemba mutute yemba nzambe tombola kombo na Yesu yebisa ye eloko alingi biso to sala pesa batu bile ya kombo na Yesu yoko pambolama ministère ko fongama mboka pe Eko Pambola, Zamba Pambola Bino. Merci. Un numéro de contact et un mot de la fin par rapport à l'émission. Merci beaucoup. Je bénis cette émission qui est Tolanarakaka. Très important. Zamba Zalokumu. Pour nous rejoindre Bissot, nous faisons des séminaires, nous faisons des conférences. Le programme Zamba Monen est dans le mois d'août. On intervient par-ci, par-là. Mais pour tout contact, plus 243, c'est les codes de notre pays. Plus 243, 9, 98, 24, 36, 56. Ou bien. Plus 243, 81 44 99 003. 81 44 99 003. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était l'émission Point de vie avec l'homme de Dieu, le pasteur David. Ensemble avec lui, nous avons discuté sur l'importance de l'adoration. Toutes les questions, c'est par rapport au temps, parce que la télé, c'est le temps. Nous remercions Enis Coutinho, nous remercions Grâce Coutinho, nous remercions l'archibishop Coutinho Fernando depuis Paris, Mama Emi, nous remercions le équipe technique de RTMV, nous remercions l'équipe technique qui a Congo Mikili, qui a Congo Lipanda, Jimmy Adjoki, Topesiombo de notre producteur, Merveille Topesiombo, Christian Topesiombo, nous remercions Akasia Giovanni, Milka Galani, on reste scotché Simon T, l'espace aussi, on va passer sur l'espace, te remercier Pebango, restez scotché Simon T, plus 243 89 00 649, c'est notre numéro, au Bengi Busso, au Tourtouna. Ba question tout aux anango pour ça par rapport à émission à l'loto yamba sous mosal ya nzambe ce qui moi sili to kota de hollandais sous par rapport ya moi de juin auto banda par rapport car ya ba question est à la spiritualité. Ciao Congo lipanda. Oh Congo lipanda. Congo lipanda. C'est toi ya bana mbuka Congo. Azuli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo lipanda. Asalili bango Congo lipanda. Ningali pona kuyeba historia ya Congo. Landa Congo lipanda.